serrer à sang. Sur la place, chacun passe, chacun vient, chacun va. Sur la place, chacun passe, chacun vient, chacun va. Je suis là, voilà. Oh, brigadier, à moi s'appelle Don José, le connaissez-vous? Don José, nous le connaissons tous. Vraiment? Est-il avec vous, je vous prie? Il n'est pas brigadier dans notre compagnie. Alors, il n'est pas là? Non, ma charmante, il n'est pas là, mais tout à l'heure il y sera, oui, tout à l'heure il y sera. Il y sera, quand la garde montante remplacera la garde descendante. Il y sera, quand la garde montante remplacera la garde descendante. Voulez-vous la peine, enfant? Voulez-vous prendre la peine d'entrer chez nous un instant? Chez nous! Chez nous! Chez nous! Chez nous! Je n'en doute pas, cependant je reviendrai, c'est plus prudent. Je reviendrai quand la garde montante remplacera la garde descendante. Il faut passer par la garde montante, par la garde descendante. Thank you.
Mon cher José, il y a une jolie fille qui est venue te demander. Est-ce qu'elle a dit qu'elle reviendrait ? Oui. Une jolie fille. Oui. Et gentiment habillée. Une jupe bleue, des nattes tombant sur les épaules. Ce ne peut être que Michaela. Elle n'a pas dit son nom. C'est qu'elle veut garder l'incognito. C'est ta petite amie ? On a grandi ensemble, dans le même village, en Navarre. Ah, je vois. Elle vient épier tes actions. Pour en faire un rapport à ma mère, sans doute. Méfie-toi, José. Comme un vieux poète a dit, chaque femme est amère comme du fiel. Mais elle a deux bonnes heures. L'une au lit, l'autre dans la mort. Dis-moi, brigadier. Mon lieutenant. Je ne suis dans le régiment que depuis 2 jours, et la première fois à Séville. Ce grand bâtiment, c'est bien la manufacture de tabac. Oui, mon lieutenant. Et il n'y a que des femmes qui travaillent là, n'est-ce pas ? Elles n'y sont pas maintenant, c'est leur pause. Mais elles vont revenir, et je vous garantis qu'il y aura du monde pour les voir passer. Est-ce qu'elles sont nombreuses ? Ma foi, elles sont bien 400 ou 500 à rouler des cigares dans une salle énorme. Et il y en a des jeunes ? Je suppose, mais à vrai dire, je ne les ai jamais vraiment regardés. Tu te fous de moi ? Les Andalouses me font peur. Je ne suis pas fait à leur manière. Toujours à se moquer de tout, jamais un mot intelligent. Ma foi, si on a un faible pour les jupes bleues et les nattes tombant sur les épaules... Mon lieutenant a suivi ma conversation avec le brigadier Morales. J'affirme. La jupe bleue, les nattes, c'est le costume de la Navarre. Ça me rappelle ma terre natale. Vous êtes donc basque ? D'une famille de vieux chrétiens, mon lieutenant. J'ai un nom 100% basque, Don José Lizarrabengoa. On voulait que je devienne prêtre, on m'a fait étudier, mais je n'ai pas appris grand-chose. Parce que tu aimes trop les femmes, n'est-ce pas ? Non, parce que j'aime trop jouer à la pelote. Et c'est ce qui m'a perdu. Vous autres Navarrais, quand vous jouez à la pelote, vous oubliez tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de la Lava m'a provoqué en duel. Le duel a mal tourné pour lui. C'est ce qui m'a obligé à quitter mon pays. Et tu l'as tué ? Je n'en parle pas. Je me fis recruter comme soldat. Je n'avais plus de père. Ma mère m'a suivi. Elle habite maintenant à quelques lieues d'ici, avec la petite Michaela. D'où vient-elle, ta copine ? C'est une orpheline que ma mère a recueillie et qui n'a pas voulu se séparer d'elle. Et quel âge a-t-elle ? 17 ans. 17 ans ! Je comprends maintenant pourquoi tu ne peux pas me dire si les cigarières sont jolies ou laides. Voici la cloche qui sonne, mon lieutenant. Vous allez pouvoir juger par vous-même. Thank you.
La cloche a sonné, nous des ouvrières, nous venons ici, fêter le retour. Et sur leur passage, aux cigaretières, nous murmurerons des propos d'amour, nous murmurerons des propos d'amour, des propos d'amour, des propos d'amour. Je vous aime.
Elle s'avance, comme elle écarte sa mantille afin de montrer ses épaules, comme elle se balance sur ses hanches, la gitania. On dirait une pouliche du haras de Cordoue. Ce jupon rouge, si rouge, rouge comme du sang. Dans mon pays, une femme dans cette tenue obligerait le monde à se signer. De sa bouche, une fleur. Une fleur de cassis. Horreur ! On est vendredi ! Et compère, qu'est-ce que tu fais là ? Une chaîne. Une chaîne en fil de laiton pour attacher mon épinglette. Ton épinglette ? Vraiment, ton épinglette. Épinglier de mon âme. L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu n'aimes pas, tant pis pour toi.
Là, juste entre les deux yeux, elle me l'a lancé, la fleur du mal. Suivant l'usage des femmes et des chats, qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, elle est venue. Quelle odeur enivrante! S'il existe des sorcières, cette fille en est une. Monsieur le brigadier? Quoi, qu'est-ce que c'est? Michaela? C'est toi? C'est moi. Tu es venue de si loin? C'est votre mère qui m'a envoyée. Ma mère? Eh bien, parle! Parle-moi de ma mère! Parle-moi de ma mère! Et puis un peu d'argent pour ajouter à votre traitement. Et puis, vraiment, je n'ose. Et puis encore une autre chose qui vaut mieux que l'argent et qui pourra bouffer. Quelle est-elle? Parle donc. Oui, je parlerai. Ce que l'on m'a donné, je vous le donnerai. Souvenir chéri, souvenir chéri, souvenir chéri, souvenir chéri.
c'est de quel démon j'allais être la proie. Même de loin, ma mère me défend, et ce baiser qu'elle m'envoie, ce baiser et sauve son enfant. Quel démon, quel péril, je ne comprends pas bien. Que veut dire cela? Rien, rien. Parlons de toi, la messagère. Tu vas retourner au pays. Oui, ce soir même. Tu la verras, eh bien, tu lui diras que son fils l'aime et la vénère et qu'il se repent aujourd'hui. Il veut que là-bas, sa mère soit contente de lui. Tout cela n'est-ce pas mignonne? De ma part, tu le lui diras. Et ce baiser que je te donne, de ma part, tu le lui rendras. Oui, je revois mon village au souvenir d'autrefois, doux souvenir du pays. Attends un peu jusqu'à ce que j'ai fini de lire, Michaela. À vos ordres, monsieur le brigadier. J'attendrai. Continue à te bien conduire, mon enfant. On t'a promis de te faire maréchal des logis. Peut-être pourrais-tu, après cette promotion, quitter le service, te faire donner un petit emploi civil et revenir près de moi. Je commence à me faire bien vieille. Et tu pourrais te marier avec la femme que tu connais depuis ton enfance, celle qui te porte ma lettre,
Il n'y en a pas de plus sage ni de plus... Il vaut mieux que je ne sois pas là. Pourquoi donc ? Je viens de me rappeler que votre mère m'a chargée de quelques achats. Attends un peu, j'ai presque fini. Vous finirez après mon départ. Et ma réponse ? Je viendrai la prendre après mes courses et je la porterai à votre mère. Adieu. Michaela ? Non, je reviendrai, j'aime mieux cela. Je reviendrai. Il n'y a pas une femme qui t'aime davantage, mon enfant. Oui, ma mère. Oui, j'épouserai Michaela. Et quant à cette bohémienne avec ses fleurs ensorcelantes... Voyons, brigadier, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
entré dans la grande salle des cigares, j'ai trouvé 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, criant, hurlant, gesticulant, faisant un tapage à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une, les quatre fers en l'air, criant « Un prêtre, je veux me confesser, je suis morte !» Elle avait sur la figure une croix en forme de X qu'on venait de lui marquer de deux coups de couteau. En face de la blessée, je vois... Et alors ? Je vois mademoiselle. Mademoiselle Carmencita. Oui, mon lieutenant. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Rien du tout, mon lieutenant. Elle serrait les dents et elle roulait des yeux comme un caméléon. On m'avait provoqué. Je n'ai fait que me défendre. Le brigadier vous le confirmera, n'est-ce pas, monsieur ? Tout ce que j'ai pu comprendre au milieu du bruit, c'est qu'une discussion s'était élevée entre ces deux dames et que mademoiselle avait commencé à dessiner des croix de Saint-André sur le visage de sa camarade. Et la blessure de l'autre femme ? Très légère, mon lieutenant. Deux balafres à fleur de peau. Eh bien, ma belle, vous avez entendu le brigadier ? Je n'ai pas besoin de vous demander si vous avez dit la vérité. Foi de Navarre, mon lieutenant. Vous avez entendu, Carmen ? Avez-vous quelque chose à répondre ? Parlez, j'attends. Tra-la-la-la-la-la-la-la, couvre-moi, brûle-moi, je ne te dirai rien. Tra-la-la-la-la-la-la, je brave tout, le fer et le ciel même. Ce ne sont pas des chansons que je te demande, c'est une réponse. Tra-la-la-la-la-la, mon secret je le garde bien. Tra-la-la-la-la-la, j'en aime un autre mal en disant que je l'aime. Ah, je vois, nous le prenons donc sur ce ton-là. Ce qui est sûr, n'est-ce pas, brigadier ? C'est qu'il y a eu des coups de couteau et que c'est elle qui les a donnés. Vous avez la main leste, décidément. Soldat, trouvez-moi une corde. Dommage vraiment, car elle est gentille, n'est-ce pas, brigadier ? Mais si gentille que vous soyez, ma belle, vous n'en irez pas moins faire un tour à la prison. Vous pourrez y chanter vos chansons de bohémienne. Le gardien vous dira ce qu'il en pense. Et la lettre de mission, mon lieutenant ? Je vais l'écrire, et c'est vous qui la conduirez. Conduirez-vous ? À la prison, ma pauvre enfant. Hélas, que deviendrai-je ? Seigneur officier, ayez pitié de moi. Vous êtes si jeune, si gentil. Et cette corde, comme vous l'avez serrée, cette corde, j'ai les poignets brisés.
Si elle vous blesse, je puis la desserrer. Laisse-moi m'échapper. Je te donnerai un morceau de la barre Lucky, une petite pierre qui te fera aimer de toutes les femmes. Nous ne sommes pas ici pour débiter des balivernes. Il faut aller à la prison. Il n'y a pas de remède contre. C'est la consigne. Tout à l'heure, vous avez dit foi de Navarre. Vous êtes donc basque ? Je suis d'Elizondo. Et moi d'Etchalar ? D'Etchalar, vraiment ? Oui. C'est proche d'Elizondo. C'est là que je suis née. J'ai été emmenée par des bohémiens à Séville. J'ai travaillé à la manufacture pour gagner de quoi retourner en Navarre, près de ma pauvre mère qui n'a que moi pour soutien. On m'a insultée parce que je ne suis pas de ce pays de filous, de marchands d'oranges pourris. Ces garces se sont toutes mises contre moi parce que je leur ai dit que tous leurs sales types avec leurs couteaux ne feraient pas peur à un gars de chez nous. Camarade, mon ami, ne ferais-tu rien pour moi ? Vous êtes navarraise, vous ? Sans doute. Allons donc. Il n'y a pas un mot de vrai dans votre histoire. Vos yeux seuls. Votre bouche. Votre teint. Tout vous dit bohémienne. Bohémienne, tu crois ? J'en suis sûr. Oui, je suis bohémienne. Mais tu n'en feras pas moins ce que je te demande. Tu le feras parce que tu m'aimes. Moi ? Oui, tu m'aimes, ne me dis pas non, je m'y connais. Tes regards, la façon dont tu me parles, et cette fleur que tu as gardée, tu peux la jeter maintenant. Le charme a opéré. Ne me parle plus, tu entends ? Je te défends de me parler. C'est très bien, seigneur officier, c'est très bien. Vous me défendez de parler, je ne parlerai plus. Je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne te parle pas. Je chante pour moi-même. Je chante pour moi-même. Et je pense. Il n'est pas défendu de penser. Je pense à certains officiers. Je pense à certains officiers. Carmen, mon
Je suis comme un homme ivre, si je cède, si je me livre, ta promesse, tu la tiendras. Ah, si je t'aime, tu m'aimeras. Oui, chez l'Aspasia, nous danserons, tu le promets. Lieutenant, attention! Voici l'ordre, partez et faites bonne garde! Sur le pont, je te vous salue. Je te pousse aussi fort que je pourrais. Laisse-toi renverser, me reste, me regarde. Thank you.
L'étrangle des sistres totales avec un éclat métallique et sur cette étrange musique des cingarelles se levent. Tambour de basse carré l'autrant et des guitares forcenées grincées sous des mains obstinées, même chansons. Même refrain, même chanson, même refrain. Tra-ra-ra-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la, tra-ra-ra-la, quelque chose à nous dire, maître Lilaspastia. Messieurs, il commence à se faire tard, je suis obligé d'observer les règlements. Le règlement? Ton auberge est le point de rencontre de tous les contrebandiers de la province. Mon auberge devrait être fermée depuis 10 minutes. Dieu sait ce qui se passe dans ton auberge une fois qu'elle est fermée. On y soit qui mal y pense, mon lieutenant. Oui. Andrés, Morales et moi-même avons encore avant l'appel le temps d'aller passer une bonne heure à l'opéra. En votre aimable compagnie, n'est-ce pas les belles? Je doute bien qu'elles en aient envie. Oh, mademoiselle Frasquita. Non, je reste ici. Mademoiselle Mercedes. Impossible, je regrette, Sergio. Et toi, Carmen, je suis sûr que tu ne refuseras pas. C'est ce qui vous trompe, mon lieutenant. Je refuse. Et encore plus nettement qu'elles deux.
Tu m'en veux, Carmen. Pourquoi vous en voudrais-je ? Parce qu'il y a un mois, j'ai eu la cruauté de t'envoyer à la prison. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne me souviens pas d'être allé à la prison. Bien sûr que non. Le brigadier qui était chargé de te conduire a jugé opportun de te laisser échapper et de se faire dégrader et emprisonner pour cela. Dégrader et emprisonner ? On n'a pas voulu admettre qu'une aussi petite main eût terrassé si facilement un gaillard de la force de Don José. Et ce pauvre garçon est redevenu simple soldat. Absolument, et il a passé un mois en prison. Mais il en est sorti ? Depuis hier seulement. tout est bien, puisqu'il en est sorti. Tout est bien, tout est bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allons voir ! Un cortège ! Une promenade au flambeau ! Et qui promène-t-on ? Je le reconnais ! Moi aussi ! C'est Escamillo ! Qui donc ? Escamillo ? Le torero ! Oui, celui qui s'est fait remarquer aux dernières courses de Grenade ! Et qui promet d'égaler la gloire de Montes et le Pepeillo ! Pardieu ! Il faut le faire venir ! Nous boirons en son honneur ! C'est ça, je vais l'inviter ! Monsieur le torero, voulez-vous nous faire l'honneur de nous rendre visite ? Qui êtes-vous ? Nous sommes des passionnés de tauromachie et vos plus grands admirateurs ! Il vient ! Monsieur Escamillo, vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Mes amis, portons un toast à la santé du grand matador. Mesdames, messieurs les officiers, votre toast, je peux vous le rendre. Seigneur, seigneur, car avec les soldats, oui, les torreros peuvent s'entendre pour plaisir, sont les combats. Le cirque est plein, ces jours de fête, le cirque est plein et haut en bas. Le spectateur perd la tête, le spectateur s'interpelle. Apostrophe, cri d'étapage, poussé jusqu'à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allô, au garde, allô, allô. Toréador, toréador, et songe bien, oui, songe en combattant, les noirs dragons, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Thank you.
fait silence. Que se passe-t-il? Une crise d'instant, une crise d'instant. Le tonneau s'élance en bondissant par du tonnerre. Il s'élance, il entre, il frappe. Un cheval roule, entraînant un picadore. Un bravo tonneau, hurle la foule. Ah, il vient, très frappant au tour. Au secours, ses banderilles, plein de fureur, il court. Le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles. C'est au tour maintenant. Allons, on garde, allons, allons. Messieurs les officiers, je vous en prie. Bon, prenons nos affaires, soldats. Vous ne venez vraiment pas avec nous, mesdames? Définitivement pas. Mais non. Mais non. La bataille n'est pas encore perdue, les gars. Mademoiselle. Monsieur le torero. Dites-moi votre nom, et la première fois que je frapperai le taureau, ce sera votre nom que je prononcerai. On m'appelle la Carmencita. La Carmencita. Carmen, la Carmencita, comme tu voudras. Eh bien, Carmen ou la Carmencita, si je m'avisais de t'aimer et de vouloir être aimé de toi, qu'est-ce que tu me répondrais? Je répondrais que tu peux m'aimer tout à ton aise, mais quant à être aimé de moi pour le moment, il n'y faut pas songer. Ah. C'est comme ça. J'attendrai alors, et je me contenterai d'espérer. Il n'est pas défendu d'attendre. Et il est toujours agréable d'espérer. Hé, hey, torero, nous voudrions partir avec vous et nous joindre au cortège qui vous accompagne. Ce sera un très grand honneur. Je tâcherai de ne pas m'en montrer indigne lorsque je combattrai sous vos yeux. Écoute-moi, Carmen, puisque tu ne veux pas venir avec nous, c'est moi qui reviendrai. Je ne
vous conseille pas de revenir. Dans une heure, je reviendrai ici. Après l'appel. Pourquoi étais-tu si pressé de te débarrasser d'eux? Le Dongaïr et le Remendado viennent d'arriver. Ils ont à vous parler de vos affaires. Les voici. Fermons les portes. Alors, les nouvelles? Pas trop mauvaises, les nouvelles. Nous arrivons de Gibraltar. Oh, jolie ville, Gibraltar. On y voit des Anglais, beaucoup d'Anglais. Joli sang, les Anglais. Un peu froid, mais très distingué. Mais très distingué et distingué. Arrête cette façon de parler, grande folle. Mais pas trop. Un faiblard comme toi n'est pas fait pour les affaires d'Égypte. D'Égypte? Oui, d'Égypte, idiot. Nous sommes des Égyptiens. Nous, les Gitans. Tout le monde sait que les Bohémiens viennent de là-bas. Arrêtez de vous disputer, vous deux. Continue ton rapport, Dankaïr. Vous arrivez donc de Gibraltar? Avec un patron de navire, nous avons organisé l'embarquement de marchandises anglaises. L'objectif est d'aller les attendre près de la côte, d'en cacher une partie dans la montagne, et ensuite de faire passer le reste. Est-ce que tous les camarades ont été prévenus? Ils sont ici, bien camouflés. Mais c'est de vous trois que nous avons besoin, vous allez venir avec nous. Pourquoi faire? Pour vous aider à porter des ballots? Oh non, faire porter des ballots à des dames! Ce ne serait pas très distingué, n'est-ce pas, Remendado? Mesdames, nous avons besoin de vous pour autre chose. Nous avons en tête une affaire. Elle est admirable, ma chère. Mais nous avons besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous. De nous. De vous. De nous. De vous. De nous. De vous. De nous. De vous. De vous. De vous. De nous. 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 De vous. De Trompelier, de Dupelier, de Volier. Il est toujours bon sur ma voix d'avoir les femmes en soi. Et si vous avez les nouvelles, vous ne ferez jamais rien de bien. Moi sans nous, jamais rien de bien, sans nous, moi jamais rien de bien. Et de vous pas de cette famille, si fait, je suis de cette famille. Et de vous pas de cette famille, si fait, je suis de cette famille. Si on est heureux de cette famille. Ah,
chose est celle que nous étonne, mais ce n'est pas le premier jour où vous aurez une marmoire faire marcher le front de la croix. La croix, faire marcher le devoir et l'amour. Mes amis, je serai comtesse, ma pantine avec vous ce soir. Mais cette fois, elle vous déplaise. Il faudra que l'amour passe avant le devoir. Ce soir, l'amour passe avant le devoir. Ce n'est pas là ton dernier mot. Absolument. Il faut que tu te laisses attendre. Il faut venir. Que je t'obéirai. Garde. Je vous en prie, des personnes aussi distinguées que vous. Attrape ça, toi. Mais pas trop, elle est amoureuse. Tais-toi, dégénéré. Partez sans moi. J'irai vous rejoindre demain, mais pour ce soir, je reste. Je ne t'ai jamais vue comme cela, Carmen. Qui attends-tu donc? Un pauvre diable de soldat qui m'a rendu service. Le soldat qui était en prison? Et à qui, il y a 15 jours, le geôlier a remis de ta part un pain dans lequel tu avais caché un peu d'argent et une lime? Oui. Et il s'en est servi de cette lime? Non. Tu vois bien, ton soldat aura eu peur. Tu as beau entrouvrir les volets et regarder s'il approche, Carmen. Je parierai qu'il ne viendra pas. Ne parie pas, tu perdrais. Halte là, halte là, qui va là? Dragon d'Alcala. Dragon d'Alcala, où t'en vas-tu par là, dragon d'Alcala? Moi je m'en vais faire mordre la poussière à mon adversaire, s'il en est ainsi. Là, regarde, c'est un dragon, ma foi, et un beau dragon. Sais-tu au moins ce que tu devrais faire, Carmen? Quoi donc? Tu devrais convaincre ton dragon à se joindre à nous. Ah, si cela était possible. Mais ce serait une bêtise. Il est beaucoup trop niais. Mais pourquoi tu l'aimes alors? Parce qu'il est joli garçon. Et qu'il me plaît. Halte là, halte là, qui va là? Dragon d'Alcala, dragon d'Alcala. T'en vas-tu par là, dragon Alcala? Exact et fidèle, je vais où m'appelle l'amour de ma belle. S'il en est ainsi,
Enfin, te voilà. C'est bien heureux. Mademoiselle, je crois que j'ai à vous remercier du présent que vous m'avez fait quand j'étais en prison. J'ai mangé le pain, la lime me servira pour affiler ma lance, et je la garde en souvenir de vous. Mais l'argent, le voici. Tiens, il a gardé l'argent. Tant mieux. Chien qui chemine ne meurt pas de famine, comme on dit. Il a Spastia. L'Aspastia! Attrape! Arrêtez de hurler. Apporte-nous des fruits confits, des bonbons, des oranges. Apporte-nous du manzanilla, tout ce que tu as de plus beau, de plus cher. Tout de suite, mademoiselle Carmencita. Tu regrettes d'être allée en prison pour mes beaux yeux? Quant à cela, non. Vraiment? On m'a mis en prison. On m'a ôté mon grade, mais ça m'est égal. Parce que tu m'aimes. Parce que je t'aime, oui. Parce que je t'adore. Je paie mes dettes, José. C'est notre loi, nous autres bohémiennes. Je paie mes dettes. Je paie mes dettes. Oh, Carmen, Carmen. Reste avec moi cette nuit. Oublions le lendemain. Mangeons, buvons et le reste. Voilà ce que j'ai pu trouver. Des oranges, des clémentines, des fruits confits, du manzanilla... Et aussi ces bonbons que vous adorez tant. Sauve-toi maintenant. Tu croques ces bonbons comme une enfant de 6 ans. C'est que je les aime. Tu devrais les goûter aussi. Ton lieutenant était ici tout à l'heure avec d'autres officiers. Ils nous ont fait danser. Tu as dansé pour lui ? Oui. Et il s'est même permis de me dire qu'il m'adorait. Carmen ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Serais-tu jaloux par hasard ? Mais certainement, je suis jaloux. Pourquoi ? Parce que j'ai dansé pour ces officiers. Eh bien, si tu le veux, je danserai pour toi maintenant. Pour toi, tout seul. Si je le veux, bien sûr que je le veux. Je vais danser en votre honneur et vous verrez, Seigneur. Je sais moi-même accompagner ma danse. Mettez-vous là, Don José. Je commence. Là. Pas con.
c'est la retraite. Il faut que moi, je rentre au quartier pour l'appel. Thank you.
Ah!
il amène. Le choix n'est pas heureux, c'est se mésallier de prendre le soldat quand on a l'officier. Allons, décampe. Non. Si fait, tu partiras. Je ne partirai pas. Roule. Roule. Il va pleuvoir des coups. Dieu des chameaux. À vous, à vous. Je suis dans le monde, 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 je suis dans le monde
de garder cette brèche. C'est bien un homme à nous. La brèche dans le mur d'enceinte de la ville. D'après Lilas Pastia, oui. Entre-temps, il a pu être changé, soyons prudents. Remendalo ! L'amour, tu vas venir avec moi. Avant d'aller plus loin, je veux m'assurer moi-même. Mais patron ! Qu'est-ce qu'il y a ? Lève-toi, fainéant ! À vos ordres, patron, à vos ordres ! Passez devant, sur les champs ! C'est moi qui rêvais que j'allais pouvoir dormir ! C'était un rêve, imbécile ! Un rêve ! Voyons, Carmen. Laisse-moi. Si je t'ai parlé trop durement, je t'en demande pardon. Faisons la paix. Non. Tu ne m'aimes plus, alors? Ce qui est sûr, c'est que je t'aime beaucoup moins que lorsque tu es mon amant. Et si tu continues ainsi, je finirai par ne plus t'aimer du tout. Je ne veux pas être commandée. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Qu'est-ce que tu regardes, là? Je me dis que, là-bas, dans un petit village, à 2 heures d'ici, tout au plus, il y a une vieille femme qui croit que je suis encore quelqu'un d'honnête. Une vieille femme? Oui, ma mère. Ta mère? Eh bien, va la retrouver. Décidément, tu n'es pas fait pour vivre avec nous. Chien et loup ne font pas longtemps bon ménage. Carmen! Sans compter que le métier n'est pas sans péril. Pour ceux qui, comme toi, refusent de se planquer quand ils entendent des coups de fusil. Plusieurs des nôtres y ont laissé leur peau. Ton tour viendra. Le tien aussi! Si tu ne te conduis pas avec moi comme je veux que tu te conduises. Et si tu me parles encore de nous séparer. Tu me tuerais peut-être. À la bonne heure. J'ai lu plusieurs fois dans les cartes que nous devions finir ensemble. Bah, advienne que pourra. Tu es le diable, Carmen. Dites-nous qui nous trahira, dites-nous que nous aimerons.
Me fier au renseignement de Lila Spastia. Au lieu d'un seul douanier, nous en avons aperçu trois et ils n'étaient pas des nôtres. Et savez-vous leur nom? Mais certainement, je les connais même personnellement. Ils s'appellent Eusebio, Pérez et Bartolomé. Eusebio, Pérez et Bartolomé. N'ayez pas peur d'encaillir, nous vous en répondrons de vos trois douaniers. Carmel, ah, tu vas nous laisser tranquille avec ta jalousie. Nous n'avons pas de temps à perdre. En route, les enfants. Quant à toi, José, je te confie la garde des marchandises que nous n'emportons pas. Dans le cas où tu aperçois quelqu'un fourrer son nez dans nos affaires, je t'autorise à passer ta causère sur lui. Salut, à bon entendeur. En route, alors. Mais... vous ne vous faites pas trop d'illusions, les filles. N'ayez pas peur d'Ancaï. Nous y sommes, mademoiselle. Voici le refuge de la bande de Séville. Un endroit terrifiant. Mais je ne vois personne. À chaque instant, ils peuvent être de retour. Je connais leurs habitudes. L'un des leurs doit être en sentinelle quelque part. Mais je suis venue ici tout justement pour parler à l'un de ces contrebandiers. Eh bien là, vraiment, mademoiselle, vous pouvez vous vanter d'avoir du courage. Je ne suis pas facile à effrayer. C'est vrai. Tout à l'heure,
au milieu de ce troupeau de taureaux que conduisait le célèbre Escamillo. Vous avez su garder votre sang-froid ? Le contrebandier auquel je veux parler est un homme violent, dit-on. Et vous êtes néanmoins décidé à rester ici et à le voir ? Oui, je reste. Oh, que tous les saints du paradis vous soient en aide, mademoiselle. Moi, j'irai vous attendre en bas de la montagne, à l'auberge où vous m'avez engagé. D'accord, monsieur. À tout à l'heure.
n'est pas rassurant du tout. Mais je ne me trompe pas. Là, sur ce rocher, c'est lui. José ! José ! Mais que fait-il ? Il arme sa carabine ! Il fisse ! Ah, mon Dieu ! Mince alors ! Un trou dans mon beau chapeau. Quelques millimètres plus bas et... Qui êtes-vous ? Répondez ! Hé, là ! Doucement, l'ami. Je suis Escamillo, torero de Grenade. Escamillo, c'est moi. Je connais votre nom. Soyez le bienvenu. Mais vraiment, camarade, vous pouviez y rester. Je ne vous dis pas non. Mais je suis amoureux, mon cher, à la folie. Et celui-là serait un pauvre compagnon qui, pour voir ses amours, ne risquerait sa vie. Celle que vous aimez est ici, justement. C'est une zingara, mon cher. Elle s'appelle... Carmen. Carmen. Oui, mon cher. Elle avait pour amant un soldat qui jadis a déserté pour elle. Carmen. Il s'adorait, mais c'est fini, je crois. Les amours de Carmen ne durent pas 6 mois. Vous l'aimez cependant. Je l'aime. Vous l'aimez cependant. Je l'aime, oui, mon cher. Je l'aime. Je l'aime à la folie. Mais pour nous enlever nos filles de Bohème, savez-vous bien qu'il faut payer? Soit opéra, soit opéra. Et que le prix se paie à coup de Navaja. À coup de Navaja. Comprenez-vous? Le discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est donc vous, oui, c'est moi-même. J'en suis ravi, mon cher, et le tour est complet. Ta garde navarreuse, et je te préviens, mon ami, elle ne vaut rien. À ton aise, je t'aurai du moins averti. Tu m'épargnes, maudit. À ce jet du couteau, je suis trop fort pour toi. Voyons cela. Tout ta vie est à moi. Mais en somme, j'ai pour métier de frapper le taureau. De trouer le cœur de l'homme. Frappe ou bien meurt, ceci n'est pas un jeu. Soit, mais au moins, respire un peu. Encore.
Sauviez la vie. Quant à toi, beau soldat, nous sommes manche à manche, et nous jouerons la belle, oui, nous jouerons la belle. Le jour où tu voudras reprendre le combat. C'est bon, plus de querelles, non, nous allons partir, et toi? Et toi, l'ami, bonsoir. Faites en moi qu'avant de vous dire au revoir, je vous invite tous aux courses de Séville. Je compte pour ma part y briller de mon mieux. Et qui me viendra? L'ami, tiens-toi tranquille. J'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Et je n'ai plus ici qu'à faire mes adieux. À toi, Carmen, je suis là de souffrir. En route, il faut partir. En route, il faut partir. Halt! Quelqu'un est là qui cherche à se cacher. Il faut partir. La surprise est heureuse. Michaela! Malheureuse! Que viens-tu faire ici? Oh, je viens te chercher. La bonne et la chaumière où sans cesse brillant. Non, non, vraiment, dit-il.
Come on.
les filles, qu'avez-vous fait de la Carmencita? Je ne la vois pas. Escamillo est ici. La Carmencita ne doit pas être loin. Ah, c'est Escamillo maintenant. Elle en est folle. Et son ancien amoureux, Don José, sait-on ce qu'il est devenu? Il a reparu dans le village où sa mère habitait. L'ordre avait même été donné de l'arrêter, mais quand les soldats sont arrivés, José n'était plus là. En sorte qu'il est libre? Oui, pour le moment. Je ne serai pas tranquille à la place de Carmen. Silence, les enfants. Elle approche. La quadrille! Thank you.
suis pas femme à trembler devant lui. Je l'attends et je vais lui parler. Tu n'étais pas loin, que tu devais venir. L'on m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave, il n'est pas voulu fuir. Je ne menace pas, j'implore, je supplie. Tu demandes l'impossible, Carmen jamais n'a menti. Son âme reste inflexible. Entraîne-toi, c'est fini. Jamais je n'ai menti. Encore, oui, il est temps encore. Oh, ma Carmen, laisse-moi te sauver, toi que j'adore. Ah, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. Je sais bien que c'est l'heure, je sais bien que tu me tueras, mais que je vive ou que je meure, non, 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 je ne te soudarai pas. Amen, il est temps encore, oui. Laisse-moi te sauver, toi que j'adore. Ah, laisse-moi
Tiens,